Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Insexport, le 30e du nom. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir une particularité dans nos rendez-vous Insexport. Ce que j'avais notamment déjà évoqué en classe, eh bien, c'est que ce rendez-vous va être co-animé par certains de nos étudiants, des étudiants de notre campus de Paris qui sont de vieux étudiants, puisqu'ils sont, eux, en toute fin de leur scolarité, c'est-à-dire en Master 2. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Nélia Barbosa. Nélia Barbosa va se présenter, c'est une véritable championne. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat, hein, que nos étudiants relayeront, en l'occurrence, Lucie, Loan et Djibril. Et eh bien, Nélia, je vous propose de vous présenter. Puis ensuite, nos étudiants diffuseront un de vos exploits, en l'occurrence, pour que tout le monde puisse en avoir l'eau à la bouche. Donc, merci Nélia de votre présence ce soir. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Nélia Barbosa, j'ai 23 ans et je suis athlète en équipe de France de paracanoë. Donc, le paracanoë, c'est la discipline paralympique du kayak de course en ligne. Donc, alors c'est assez simple, ça consiste à faire la course donc avec 8 autres concurrents sur une distance de 200 mètres. Donc, c'est de la course en ligne. Et donc, le kayak, vous vous posez peut-être la question de la différence entre le canoë et le kayak. Le kayak, on est assis dans le bateau sur les fesses avec une pagaie double, donc avec deux pales. Et le canoë, on est à genoux avec une pagaie simple. Donc, moi, j'ai commencé le kayak à l'âge de 12 ans et demi. Au départ, je faisais avec les valides, donc du slalom. Et ensuite, à l'âge de 19 ans, je me suis fait amputer des suites d'une maladie qui s'appelle la neurofibromatose. Donc, c'est une maladie génétique qu'on a découvert quelques mois après ma naissance. Donc, j'étais très jeune, j'ai toujours su que j'avais cette maladie. Et en fait, la particularité de cette maladie chez moi, elle se traduit par le développement de tumeurs bénignes sur le corps. Et donc, j'en avais une très massive au niveau de la cheville. Qui jusqu'à mes 19 ans j'ai réussi à me développer donc à peu près normalement et ensuite je me suis blessée à la cheville donc je me suis fait une luxation et à partir de là j'ai rencontré un orthopédiste qui a suggéré l'amputation en me disant que j'allais être beaucoup plus à l'aise dans ma vie tous les jours avec une prothèse plutôt qu'avec ce pied-là, que c'était beaucoup plus esthétique beaucoup plus fonctionnel, donc chose que j'ai acceptée. Suite à l'amputation, je suis entrée directement dans un centre de rééducation à Valenton, où j'ai été appareillée donc avec une prothèse. Donc, c'est ma prothèse de marche avec laquelle je marche tous les jours. Donc, je suis amputée au niveau du tibia. Et à partir de là, j'ai aussi repris le sport parce qu'on avait la chance d'avoir une structure adaptée pour les sportifs, donc avec une grande salle de musculation, avec un gymnase dans lequel on pouvait apprendre à marcher et où on faisait des matchs de basket-fauteuil, de volley, de badminton. Donc ça, j'ai repris le sport petit à petit. Et rapidement, après mon amputation, j'ai eu la volonté de refaire du kayak. Donc, j'ai demandé à mon entraîneur de m'apporter mon kayak au centre de rééducation parce qu'il y avait une toute petite piscine. Donc, j'ai fait trois petits coups de pagaie là, dans cette piscine après mon amputation. Et ensuite, dès que je suis sortie du centre de rééducation, j'ai repris les entraînements avec les jeunes du club. Et rapidement, on a commencé à me parler des Jeux paralympiques, donc à me proposer d'essayer certains bateaux. Alors, la différence entre le kayak que je pratiquais et le kayak que je pratique aujourd'hui, c'est que le kayak que je pratiquais, c'était du kayak de slalom. Donc, le kayak de slalom, c'est des bateaux qui sont beaucoup plus courts et qui sont faits pour tourner sur place, qui sont faits pour aller dans des mouvements d'eau, donc des rapides, des chutes, et pour passer des portes, comme vous connaissez peut-être Tony Estanguet, qui est trois fois champion olympique. Et donc, voilà, ça, c'était ma discipline. Et pour passer au paracanoë, il fallait que je change de bateau, donc un bateau qui est plus fin, beaucoup plus long, et qui est fait pour faire du sprint, pour aller vite. Et donc voilà, il a fallu que je m'habitue à ce bateau-là. Donc dans un premier temps, on m'a dit, tu vises les Jeux de 2024 à Paris. Voilà, j'y suis allée un peu la fleur au fusil, sans objectif de performance. Et petit à petit, finalement, j'ai fait ma première compétition internationale. Donc 2 mois après ma sélection, c'était en Pologne pour des championnats d'Europe.
Et j'ai fini deuxième, donc ça m'a beaucoup motivée. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de faire les quotas. Donc un quota, c'est une place qu'on va chercher sur une compétition pour rentrer sur les Jeux paralympiques. Et donc cette année-là, ils ouvraient 6 places. Et donc il fallait faire un top 6 sur les championnats du monde. Chose que j'ai faite. Donc voilà, j'ai décroché mon quota paralympique. Et ensuite, j'ai fait les Jeux paralympiques, donc avec le Covid au milieu. Donc j'ai fait les Jeux paralympiques il y a quelques mois, où j'ai fini deuxième. Donc voilà mon histoire dans les grandes lignes. Alors, merci Nélia. Alors, juste avant que nos étudiants eh bien, puissent prendre la main sur l'interview, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, Loane, Lucie et Djibril. Déjà, la raison de votre présence dans la co-animation, parce qu'il y a une vraie raison. Et puis ensuite, eh bien, ce sera à vous d'être les messieurs et madame loyales. Alors, honneur aux femmes. Lucie, vous vous présentez? Oui, alors bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Lucie. Je suis étudiante en Master 2 Management et Marketing du Vous avez sport. hésité, Lucie, ça m'inquiète là. Vous avez un peu hésité, donc vous êtes bien en M2, hein. Oui. Du coup, à l'INSEP Paris. Et donc, on est là aujourd'hui avec Nélia, parce qu'avec mes camarades, du coup, Djibril et Loane, l'année dernière, on a mené un projet de crowdfunding pour aider Nélia quant à sa participation aux Jeux paralympiques. Donc voilà, on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Du coup, voilà ce qui explique notre présence ici. Ok, vos camarades. Loane, vas-y. Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Loane. Comme Lucie et Djibril, je suis à Paris en Master 2 en Marketing Management du sport également. Et voilà, quoi dire de plus. Comme vous l'a dit Lucie, l'année dernière, on a pu accompagner Nélia dans un très beau projet qu'on va vous en parler un petit peu plus en détail par la suite. Puis voilà. Okay. Et Djibril. Et du coup, je suis Djibril, pareil, en Master 2 Marketing Management du sport à l'INSEC. Voilà, l'année dernière, on devait mener un projet de crowdfunding. On avait à cœur de faire un projet qui a du sens, un projet qui touche à la cause du handicap. Et c'est avéré que Lucie avait une amie, du coup, à une amie qui s'appelle Nélia. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de mener ce projet. Et donc, on vous en dira plus pour la suite. Ok, alors nos étudiants ne nous ont évidemment pas évoqué qu'ils travaillent aussi en parallèle dans le cadre des programmes en alternance chez nous. Donc on y va, Lucie, vous prenez donc la main. Les étudiants, évidemment, eh bien, on n'hésite pas de poser des questions. Je relancerai évidemment le cas échéant. Je crois que Lucie, vous vouliez nous présenter, nous montrer l'exploit de Nélia notamment C'est et bien. ce titre de vice-championne paralympique, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Avant de vous montrer la vidéo, je voulais aussi vous prévenir qu'avec Djibril et Loane, on avait prévu un petit quiz pour la fin de ce petit rendez-vous INSEC. Donc, soyez bien attentifs sur tout ce qu'on va vous montrer et sur ce que Nélia va dire. Voilà, donc je vais vous montrer la vidéo. Tokyo devait lui servir d'étape sur la route de Paris, en fait. Ce sera la première médaille paralympique de Nélia Barbossa. Au couloir numéro 4 dans son kayak blanc, la Française amputée d'une jambe déploie toute la puissance de ses bras d'argent. À l'abordage pour quelques centimètres et une deuxième place, elle n'avait rien à perdre. La voilà vice-championne paralympique sur 200 mètres. Je suis arrivée sereine sur la compétition parce que j'avais aucun regret. Je savais que voilà, j'avais fait tout ce qu'il fallait et que ma place serait, que je sois quatrième, cinquième ou première, dans tous les cas, voilà, ce serait le reflet de ce que j'ai fait. 52e médaille française, autant qu'à Pékin, et c'est pas terminé.
Alors, merci pour cette vidéo. Eh bien, c'est parti pour les premières questions, chers étudiants. Oui, eh ben, c'est parti. Alors, Nélia, déjà, qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images après coup? Et ben, ça fait tout drôle parce que j'ai l'impression que c'était il y a des années. En fait, non, c'était il y a 2 mois. Donc ça me fait rigolo. Et puis, en plus, je n'avais jamais vu ces images-là. Je n'ai pas regardé mes interviews. J'ai regardé ma course pour la première fois il y a 2 semaines. Donc c'est encore tout frais là pour moi. Mais non, c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver ces vidéos parce qu'on ressent tout ce que j'avais juste après ma course. Et c'est des sensations qui sont formidables et qu'on a envie de revivre parce qu'en fait, faire un podium, c'est un peu addictif, comme faire du sport, quoi. Ça donne tellement de sensations, tellement d'excellentes sensations que voilà, on a envie de le refaire. Et ça me motive pour 2024. Je comprends. Et du coup, tu arrives dans quel état d'esprit au jeu à Tokyo? Alors, au jeu, j'y arrive plus sereine que sur les autres compétitions internationales que j'ai pu faire. C'est vrai que j'avais pas beaucoup d'expérience internationale. C'était ma deuxième grosse saison finalement. Et du coup, j'étais arrivée sur mes premières compétitions, j'étais très 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 stressée au point de pas pouvoir manger jusqu'à une semaine avant ma course, à me sentir mal juste après ma finale des championnats du monde. Parce qu'il faisait très chaud. Et en fait, les Jeux paralympiques, je m'y suis tellement, tellement préparée mentalement, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas fait sur mes autres courses, la préparation mentale. Là, j'ai beaucoup travaillé avec une personne qui travaille à la FEDE, donc notamment sur de la visualisation, sur réussir à mettre des mots sur les sensations, sur tous les sentiments que j'ai avant le départ, jusqu'au moment où je suis dans la course. Et voilà, mettre une couleur, comme un portrait chinois, en fait. Donc, voilà, toutes ces choses, elles m'ont beaucoup aidée. Et finalement, je suis arrivée sur la finale avec une sensation déjà vue, parce que voilà, je l'avais visualisée et je me sentais à l'aise. J'étais pressée d'en finir, quoi, pressée d'en découdre, parce qu'en fait, on avait tellement, avec le Covid et tout, quoi, c'était tellement compliqué, on a tellement eu peur de ne pas pouvoir la faire, cette compétition, que j'avais peur jusqu'à la finale de ne pas pouvoir la courir. Donc, j'étais super pressée de la faire. Ouais, je comprends. Et tu avais un objectif en tête quand tu y arrivais? Ouais, alors quand je suis arrivée au jeu, sur ma première série, c'est la série de qualification, mon objectif c'était juste de prendre des repères sur la course, pas nécessairement de gagner la série. Finalement, j'ai gagné la série, donc il y avait 2 séries. Donc, la première, il y avait l'anglaise qui m'a battue, et la deuxième, donc ma série, où il y avait l'ouzbek qui était championne du monde en 2019. Et donc je me suis dit, elle, c'est sûr qu'elle va me battre. Donc voilà, je vais faire mon maximum. On va dire que c'est un entraînement pour la finale, en espérant d'être qualifiée pour la finale quand même. Mais voilà, je n'avais pas du tout d'objectif de battre l'ouzbek. Et finalement, j'ai battu l'ouzbek, donc je ne m'y attendais pas du tout. Et là, tous mes plans ont changé. Je me suis dit, ça veut dire que là, aujourd'hui, je suis dans les favorites, alors que j'étais outsider normalement. Comme je suis favorite, du coup, ça fait un peu plus de pression. Et il ne faut surtout pas que ça me ronge, il ne faut surtout pas que je me monte la tête avec ça. Voilà, j'ai fait une belle course sur la série. Il ne faut pas que j'essaye de reproduire exactement la même chose sur la finale, parce que ça ne va pas être possible. On ne reproduit jamais 2 fois une même course. Il faut que voilà, j'ai pas ce que j'ai fait, je suis contente, c'est bien. Mais voilà, maintenant, on se concentre sur la finale, c'est 2 courses différentes. Et ça a été encore un énorme travail mental. Okay. Alors, il y a déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais déjà une question dans le chat. Comme quoi, ce que vous dites, Nélia, intéresse nos étudiants. Une question de Frédéric. Combien d'heures par semaine vous vous entraînez? Alors ça dépend vraiment des semaines. En fait, j'ai des semaines type. Donc là, je suis loin des échéances. Donc, je vais faire beaucoup de développement physique, donc sur de la musculation, sur de la prise de masse. En kayak, je vais faire des sorties longues pour développer l'aérobie. Donc, en ce moment, je suis plus à des muscles de 2 heures et demie et une séance de 1 heure et demie. Et donc ça, j'ai 2 séances par jour. Et donc à la semaine, je m'entraîne environ 15 à 16 heures par semaine. Et par contre, quand on va arriver plus près des échéances, les muscles vont être un peu moins nombreuses. Donc là, je suis à 4 muscles par semaine. Lors des échéances, je suis plus à 2 ou 3. Et ça va être des muscles donc plus dynamiques. Donc on va mettre des poids plus légers, on va faire plein de répétitions. Et en bateau, pareil, ça va être des séances qui vont ressembler à ce qu'on fait en course. Donc très dynamiques et très courtes. Donc c'est des séances qui sont un peu plus courtes, qui durent maximum 1 heure en général. Voilà. Nélia, comment s'est passée ta préparation du coup pendant le confinement? Est-ce que tu as pu t'entraîner? Alors pendant le confinement, c'était très compliqué parce que en fait, on était dans l'inconnu totalement. Je ne savais pas si ce confinement il allait durer une semaine, 15 jours.
Je recevais souvent des nouvelles de mes entraîneurs me disant qu'on allait peut-être réussir à créer des bulles olympiques, donc à prendre quelques athlètes, les mettre en stage quelque part, bien isolés pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner. Donc j'avais cet espoir-là, j'avais ma valise qui était prête pour partir à tout moment. Ben, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc j'ai rapidement commandé ce que beaucoup de personnes ont fait, des haltères, des barres de traction pour les mettre, pour aménager ma chambre, finalement, en salle de musculation. Et la fédération m'a prêté un ergot de kayak. Donc, c'est comme les ergots en aviron, donc un kayak de terre, on va dire. Mais voilà, c'est jamais la même chose que s'entraîner sur l'eau et faire ses musculations dans une vraie salle de musculation, forcément. Mais ouais, ça n'a pas été évident. J'ai perdu beaucoup de masse musculaire. Et du coup, bah, voilà, c'était pas évident. Enfin, à l'époque, j'avais pas encore d'objectif de podium sur les Jeux Olympiques, enfin, les Jeux Paralympiques, pardon. Donc ça m'attristait, mais voilà, pas plus que ça. Et finalement, le report des Jeux, ça a été un énorme boost, quoi. Je me suis dit, bah, ça, c'est une chance. Enfin, ça, c'est un signe, c'est fait pour moi. Et du coup, bah, voilà, j'ai attendu la fin du confinement en me disant que de toute façon, voilà, c'était comme ça, c'était pour tout le monde pareil. Et dès la fin du confinement, je me suis mis à fond, on est reparti en stage. Et là, je me suis donné à 300%. Okay. Et justement, en parlant des reports des Jeux, s'ils auraient été en 2020, du coup, tu penses que tu aurais pu les courir? Tu penses que tu aurais été préparé assez physiquement et mentalement? Alors, je pense pas que j'aurais été aussi performante que je l'ai été là, parce que là, justement, sur ce report des Jeux, on a mis les choses à plat. On a vu ce qui allait, donc sur la saison précédente, ce qui n'allait pas. Là, qu'on avait un an de plus pour se préparer, on s'est dit, bon, bah, maintenant, on va le faire bien. On va rajouter des stages, ce qui fait que là, je partais de 2 à 3 semaines par mois en stage, chose qui n'était pas du tout le cas avant le confinement. J'ai beaucoup de plus travaillé sur mon alimentation, sur ce que je pouvais faire aussi à côté de la muscu et du kayak. Donc je me suis mis un petit peu à la course à pied. Donc sur la visualisation aussi, c'est avant, je voulais pas entendre parler de préparation mentale parce que bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met beaucoup de côté encore aujourd'hui. Et en fait, bah, j'ai rencontré donc cette personne à la fédération qui m'a énormément aidée. Et non, sans tout ça, c'est sûr que j'aurais pas réussi. Et c'est vrai que ce confinement, finalement, ça m'a fait maturer un petit peu parce que bah, je suis arrivée très jeune, enfin très jeune dans ma tête. J'étais un peu un chiot fou. Je voulais tout voir et tout faire en même temps. Et bah, c'était pas possible. Alors que le confinement, ça m'a permis de me poser, savoir quelles étaient les priorités. Et donc, ça m'a beaucoup aidée. Ok. Et en reparlant de ta course, c'est quoi tes ressentis sur la ligne de départ? Quand est-ce que tu sais que tu arrives deuxième? Alors, sur la ligne de départ, donc quelques secondes avant le starter. Alors, il faut savoir qu'en course en ligne, on met le nez du bateau, donc dans des sabots, ce qu'on appelle des sabots. Donc, c'est des pointes en plastique qui sont dans l'eau. On met la pointe du bateau dedans. Il y a un décompte, donc ready, set, go. Et au go, les sabots descendent sous l'eau. Et donc là, on peut partir. Et donc, les quelques secondes qui précèdent la course, elles sont très stressantes parce qu'on met le nez dans le sabot, on attend. Et là, on sait que ça va partir très rapidement. Et à partir du moment où je suis là, c'est silencieux, il y a un silence de mort. Alors que bah, Tokyo, c'est assez bruyant parce que bah, il y a l'aéroport qui est vraiment juste derrière avec les avions qui mettent les gaz et tout. Et là, il y a un silence, j'entends plus rien. J'entends juste la voix du starter. Et là, je me dis, c'est pas possible. Enfin, je peux pas rentrer à la maison sans médaille. Je peux pas rentrer à la maison avec des regrets. Enfin, il faut que je fasse une médaille, quoi. Et puis, je savais que bah, j'avais les amis, le club qui regardaient la course. Et pour moi, c'était impensable, quoi. C'était le veto pour moi, donc il fallait que je fasse une médaille. Et du coup, bah, ouais, je suis partie sur. Alors, j'ai eu un peu peur au départ parce que je ne suis pas très bien partie. J'ai pas réussi à. Enfin, j'avais trop peur de tomber ou je me suis dit, faut pas que je prenne de risques. Donc, je suis vraiment mal partie. Et j'ai voilà, je suis rentrée dans mon rythme. J'ai pagayé, pagayé, pagayé de façon à tenir l'anglaise parce qu'elle est très très forte. Je savais qu'elle serait devant moi quoi qu'il arrive. Je me suis dit, voilà, je tiens l'anglaise et il faut pas que je la lâche. Et derrière, faut surtout pas qu'elle remonte. À 3-4 mètres de l'arrivée, je savais que j'étais deuxième parce que bah, on sent les autres quand même qui sont sur le côté. On est classé sur les lignes d'eau en fonction de nos vitesses. Donc je savais que bah, à ma gauche et à ma droite, c'était des filles qui potentiellement pouvaient me battre. Et dès que j'ai passé de la ligne d'arrivée, donc j'ai entendu le petit bip qui disait que j'étais arrivée et juste après celui de l'Allemande, donc je savais que j'étais devant elle. Mais j'ai quand même voulu attendre la confirmation du panneau d'affichage et dès que j'ai vu que j'étais deuxième, bah, voilà, j'étais super heureuse, quoi. Et d'ailleurs, l'ambiance avec les enfants. Lucie, si vous permettez juste une petite seconde qu'on relaie une petite question d'un étudiant, si vous voulez bien. Une question notamment
on va dire, de Nicolas. Est-ce qu'il y a une différence de préparation sportive ou mentale entre une compétition internationale et les JO? Et ça rejoint un peu ce que vous disiez, cette ambiance, etc. Enfin, c'est cette volonté, etc. Alors, en soi, la préparation est la même, parce que la distance, c'est du 200 mètres, quoi qu'il arrive, c'est de la course en ligne. Donc, c'est aussi ce qu'on m'a dit au moment d'arriver au jeu. On m'a dit, bon, Nélia, c'est un 200 mètres, tu sais le faire, tu l'as déjà fait, il ne faut pas que tu t'inquiètes plus que ça. La plus grosse différence, elle est mentale, finalement, parce que on est attendu. Il y a les autres athlètes français qui font les mêmes jeux que nous, qui ont les mêmes objectifs. Il y a les médias qui sont là aussi, parce que les Jeux paralympiques, cette année, ont été plus médiatisés que les autres années. Et forcément, on est attendu et c'est une fois tous les 4 ans, quoi. Donc, on sait que si cette course-là, on la rate, il va falloir attendre 4 ans. Il faut déjà se sélectionner. Enfin, ce n'est pas évident. Donc, mentalement, on la prépare beaucoup plus. Après, sportivement, finalement, physiquement, c'est la même préparation que des championnats du monde, que des championnats d'Europe. Sauf qu'on a 4 ans pour les préparer. Donc, s'il y a un couac une année, il faut juste que ça ne tombe pas l'année des Jeux. Mais sinon, la préparation en termes de programme d'entraînement, c'est les mêmes. Ok, merci Nélia. Et je voulais revenir sur le village olympique. Je voulais savoir un petit peu l'ambiance, comment ça se passait, si tu disputais avec tes concurrentes, si tu pouvais voir d'autres nations. Je sais que là, c'était un contexte compliqué comme c'était le Covid. Donc, je ne sais pas si c'était possible d'échanger avec les autres athlètes. Alors, le village, c'était assez impressionnant parce qu'en fait, c'est comme un grand quartier avec plein de grands immeubles où les nations sont divisées par nation, donc dans tous les immeubles. Donc, c'était assez étonnant de voir des athlètes de tous les pays, de tous les sports. Moi, j'ai adoré. Et oui, donc, je croisais. Alors, c'était tellement grand que forcément, on ne pouvait pas croiser tout le monde, mais j'ai croisé quelques concurrentes à qui j'ai parlé. Il y a une petite tradition aux Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est qu'on a tous des pins de nos nations. Et du coup, on va s'échanger les pins. C'est bien parce que ça favorise la communication et en plus, ça fait des petits souvenirs. Donc, ça permettait d'échanger avec d'autres sports, d'autres nations, et c'était super chouette, j'adorais. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais là, Nélia, par rapport au village olympique. Est-ce que peut-être tu as gardé déjà des contacts avec certains athlètes, que ce soit dans ta discipline ou non? Est-ce qu'il y a vraiment cette notion avec certaines personnes de vous restez en relation en fait en dehors de toutes ces périodes ou pas? Oui, alors avec les filles de ma catégorie en kayak, je reste un petit peu en relation. Donc, alors, il y a la barrière de la langue parce que moi, je parle anglais, un petit peu espagnol. Donc, je parle avec ma concurrente anglaise, je parle avec l'allemande qui parle anglais aussi. Après, il y a des nations où forcément, il y a pas peut-être tous les réseaux sociaux. Enfin, l'ouzbek, elle dit à peine bonjour. Donc, au départ, ça m'étonnait un petit peu. Et en fait, je pense que c'est juste culturel. Enfin, elle parle que russe, elle parle pas du tout anglais. Elle n'est pas venue pendant 2 ans. Elle débarque encore plus stressée que moi, je pense. Donc, forcément, je n'en veux pas d'être un peu sauvage entre guillemets à 2 jours des Jeux. Et après, avec les autres athlètes français, par contre, du comité paralympique. Là, pour le coup, oui, il y a eu des liens, parce que c'est des gens qu'on croisait sur les compétitions, qui nous encourageaient. Nous, on les encourageait aussi. Et c'est des gens qu'on a retrouvés après en rentrant à Paris. Donc, alors, j'ai gardé des liens surtout avec les médaillés, parce que à Paris, il n'y avait que les médaillés qui étaient invités. J'ai ces liens-là. Et puis, forcément, on discute sur nos fédérations, sur les fonctionnements, sur ce qui va, ce qui ne va pas. Et oui, forcément, on garde un lien et je m'entends bien avec certains athlètes. Ouais. Justement, Nélia, par rapport aux fédérations, comme tu viens de le dire, quel regard tu portes aujourd'hui sur le handisport, son inclusion dans la société? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, pour moi, déjà, il ne devrait pas y avoir de difficulté à introduire une personne en situation de handicap dans un club, dans un sport, parce qu'il y a une telle diversité de sports, une telle diversité de clubs, et finalement... On peut accueillir aujourd'hui une personne en fauteuil roulant, on peut l'introduire dans un club de kayak, à condition forcément qu'il soit équipé de rampes ou de pontons accessibles. Et en fait, il y a une population, alors je ne connais pas le pourcentage, mais un pourcentage très important de la population qui est en situation de handicap, donc que ce soit un déficit visuel, déficit auditif, des handicaps comme moi, des amputations et une telle multitude de choses. Pour moi, c'est indispensable parce que le sport, c'est un créateur de liens sociaux. Enfin, moi, j'ai beaucoup, une grosse partie de mon entourage, c'est des gens que j'ai rencontrés grâce au sport.
Donc voilà, c'est indispensable. Et en plus, outre la performance, c'est aussi un problème de santé, en fait. Enfin, on a besoin de faire du sport. Alors, on n'est pas obligé d'être champion paralympique, mais c'est vrai que moi, quand je fais du sport, bah, dans ma tête, je me sens bien. Et physiquement, bah, voilà, ça, je mange pas je mange pas forcément tout le temps que des légumes et je bois voilà, hyper équilibré et tout. Donc, c'est vrai que le fait de faire du sport, voilà, moi, je me sens bien dans mon corps. Je pense que c'est physique et mental. Voilà, bon, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai qu'avec avec le Covid, il y a une sédentarité qui s'est créée. On retrouve notamment donc, dans les écoles primaires et les collèges beaucoup, beaucoup de surpoids et d'obésité chez les enfants. Et ça, c'est notamment parce que les enfants ne font plus ou font beaucoup moins de sport. Et donc, outre l'aspect handicap, pour moi, c'est indispensable que n'importe qui puisse pratiquer du sport à son niveau et selon ses objectifs. Et après, quand tu es en situation de handicap, non seulement ça t'aide à toi t'accepter mieux dans ton corps, parce que c'est pas toujours évident quand on est jeune de s'accepter avec un handicap, quel qu'il soit, et en plus, voilà, pour sa santé mentale et physique. Merci de ta réponse, Nélia. Et pour revenir juste avant ta participation aux Jeux paralympiques, est-ce que tu peux dire aux personnes présentes quelle était ta situation par rapport aux équipements notamment? Ouais. Alors, avant les Jeux paralympiques, c'est vrai que ce n'était pas évident, parce que avant de faire les Jeux, avant de faire un résultat conséquent, quand on fait du bateau depuis un an, qu'on n'a pas forcément un palmarès très étoffé, et qu'on va voir des sponsors en disant « moi j'ai besoin de ça, ça, ça », ils ne vont pas forcément suivre, parce qu'eux, ils ont besoin, forcément, nous, on est une vitrine, on est un produit, et ils servent aussi un petit peu de nous pour vendre, et c'est normal. Et donc moi, voilà, j'avais le souci qu'il me fallait une prothèse pour faire du kayak, parce que celle de marche n'était pas forcément adaptée à mon kayak, et en plus, pour moi, c'était indispensable de dissocier les deux. Et sauf qu'une prothèse aujourd'hui de marche, elle est prise en charge tous les 3 ans, et moi, ça y est, j'en avais une, et je ne pouvais pas en reprendre une avant 2 ans. Donc, il a fallu que je me procure une prothèse, sauf qu'une prothèse, ça coûte 7 000 euros environ. Et 7 000 euros, quand tu es une athlète de 22 ans, que tu es étudiante, que tu viens de commencer, tu ne les sors pas comme ça de ta poche. Et même, il y a peu de personnes, je pense, qui peuvent sortir 7 000 euros comme ça de leur poche, en claquant des doigts. Et donc, il a fallu créer cette cagnotte avec « I believe in you ». Donc voilà, qui pour moi était indispensable pour l'acquisition de la prothèse et qui en plus faisait contribuer mon entourage et toutes les personnes qui le souhaitaient à ma performance aux Jeux de Tokyo parce que c'était la prothèse avec laquelle j'allais partir. Et les gens ont été hyper réactifs. On a atteint les objectifs de la cagnotte en à peine une semaine, ce qui était absolument incroyable. Et donc moi, forcément, j'en suis hyper reconnaissante parce que c'est aussi un petit peu grâce à ça que j'ai fait une médaille. Voilà. Alors, vous disiez, Nélia, qu'effectivement, c'est difficile de sortir 7 000 euros comme ça dans le cadre du projet tutoré que font tous nos programmes de Master 1 de nos campus INSEC, Paris, Bordeaux, Lyon, Chambéry. Donc, vous avez bénéficié effectivement de cet accompagnement des étudiants que nous faisons en lien avec I Believe in You. Je crois d'ailleurs que le directeur France d'I Believe in You, Alexandre Ollet, est avec nous. Je crois que j'en suis même sûr. Salut Alexandre, merci d'être venu écouter Nélia. Bonsoir à tous. Salut Nélia, ça fait super plaisir de te voir dans un premier temps. J'étais là depuis le début, donc je t'ai écouté, mais je tiens à te féliciter de vive voix pour ta performance au JO. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que ça permet de comprendre et je vois en plus qu'il y a des questions aussi dans le chat qui sont un petit peu liées à ça au niveau des financements de ton sport. Nous qui sommes du milieu et les étudiants qui étudient aussi sur ce secteur le savent, il y a beaucoup de soucis de financement dans le sport en France, encore plus au niveau des sports paralympiques. Mais c'est vrai que je pense que par rapport à ton projet et surtout à ta personnalité, le système du crowdfunding correspondait tout à fait à ce que tu souhaitais faire. Et c'est vrai que c'est très intéressant que tu puisses apporter ton témoignage et que tu puisses souligner le fait que ce soit quelque chose qui se développe vraiment en France, qui est accessible, qui permet aussi également
d'améliorer tout ce qui va être l'aspect communication autour d'un projet. Et je suis sûr que les étudiants vont pouvoir nous en reparler, et puis toi aussi, mais de livrer un petit peu justement ton témoignage et ton ressenti sur vraiment cette campagne de crowdfunding qui, pour la plupart des gens, est encore très peu connue parce que la plupart des gens associent le financement du sport au sponsoring. Et c'est vrai que ce système du crowdfunding qui diffère un petit peu du sponsoring, je suis sûr que tu vas pouvoir nous en parler un petit peu, et les étudiants également, comment ils ont pu organiser cette belle campagne à tes côtés, et nous faire un petit retour là-dessus. Merci Alexandre de ta présence. On va relayer une question avant de laisser la parole à nos animateurs et animatrices. Une question de Nathan. Beaucoup de sportifs de haut niveau ne pensent pas à s'intéresser à ce qu'ils pourraient faire à côté, professionnellement parlant, car très focus sur leur sport. C'est évidemment ce qu'on était en train de dire. Du coup, est-ce que vous, Nélia, vous avez un plan de carrière professionnelle en parallèle ? Alors oui, pour moi, c'est très important justement de créer un équilibre entre ma carrière et ma carrière de sportif de haut niveau, parce que je sais que ça peut s'arrêter à tout moment, ça s'arrêtera forcément un jour, je ne vais pas faire du kayak jusqu'à 65 ans. Et donc, je fais des études, je suis étudiante en design graphique interactif. Donc, c'est pour faire des interfaces de sites web, d'applications de téléphone, et après du design aussi graphique, des logos, des affiches. Et donc, je suis en deuxième année, donc au lycée L'Initiative, qui n'est pas très loin de votre école d'ailleurs. Et donc, oui, pour moi, c'est indispensable d'avoir, même pour moi mentalement, de faire autre chose que du sport. Ça permet de s'échapper un petit peu, parce que forcément, des fois, on est fatigué, on a besoin de faire autre chose. Et moi, ça me permet de faire autre chose. Et en plus, le fait d'être graphiste, ça me permet aussi, à la fin de mes études, de pouvoir commencer à travailler tout en étant sportif de haut niveau, parce que le graphisme, on peut le faire sur ordinateur à distance. Et donc, voilà, c'est un équilibre que j'ai trouvé. Je suis passionnée par le graphisme, donc je suis très contente d'avoir trouvé cette voie-là. Voilà. Allez, on relaisse la main à nos étudiants. Oui, Nélia, du coup, suite à cette campagne, tu as été approchée par quelques entreprises, dont PwC. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ta relation avec eux suite à cette campagne de crowdfunding? Alors, c'est vrai que PwC a été très investi dans ma campagne, et j'en suis très, très touchée. Et suite à ça, donc j'ai signé un contrat avec PwC qui m'accompagne jusqu'à 2024, donc avec un soutien financier donc pour ma saison. Et c'est vrai que alors non seulement ça me soulage beaucoup, parce que maintenant j'ai pas à penser, j'ai pas à m'inquiéter sur comment je vais financer ma saison, comment je vais financer mes stages. Donc il y a mon club qui m'aide beaucoup aussi, mais en plus voilà, c'est des gens qui sont sincèrement très intéressés par le sport, parce que ce sont des personnes qui sont partenaires de Paris 2024 et qui en plus s'intéressent à mes saisons, à mes résultats, à mes entraînements, qui sont beaucoup dans la communication. Donc on échange régulièrement sur mes entraînements, sur mes stages, sur mes compétitions. Et donc c'est une réelle relation qui ne s'arrête pas juste à du financement pur et dur. Donc c'est un très très bon, enfin pour moi un très bon compromis. Merci pour toutes tes infos. Je vais peut-être laisser la main à Loan. T'as d'autres questions à partager? Alors, je voudrais parler un petit peu, Nelly, avec toi aussi de tant qu'on y est, de partenariat, pourquoi pas. Est-ce que, si tu peux nous en parler, bien sûr, tu aurais été approché par d'autres entreprises depuis les Jeux de Tokyo, et voilà, comment ça se profile, on va dire, au niveau des partenariats en dehors de PwC? Alors, et ça relaie, Nélia, une question en même temps, celle de Loan, qui rebondit à celle de Mathias, qui est un étudiant de M2 à Lyon. D'accord. Alors oui, forcément, une fois que j'ai fait ma médaille, ça a facilité beaucoup de choses. Donc avant, j'étais plus dans la recherche de sponsors, et c'était très compliqué parce que les gens n'acceptent pas forcément, surtout dans une période de crise comme le coronavirus. Et c'est vrai que maintenant, comme je suis dans les dossiers de l'ANS, parce que j'ai fait de bons résultats internationaux, ça facilite beaucoup de choses parce que c'est les gens qui viennent me voir maintenant directement pour me sponsoriser, pour me proposer des contrats. Là, j'ai des contrats qui vont venir, mais je n'ai pas encore signé. Donc je vais attendre de signer pour en parler. Mais oui, j'ai des contrats très intéressants qui arrivent et qui en plus
voilà, autre que, enfin, pas seulement financiers, mais qui vont aussi m'aider dans ma vie post-études et post-sport de haut niveau. D'accord. Ok, est-ce que bah, pour le coup, est-ce que tu aurais un partenariat peut-être rêvé, je ne sais pas, on va dire dans, même si c'est dans 10 ans, est-ce qu'il y a une entreprise ou un projet qui t'intéresserait vraiment Là, comme ça, je saurais pas te dire, non, je sais pas. Ok. Ok. Loan, Est-ce si vous que... permettez, Oui? je vais relayer une question de Patricia, une de nos étudiantes de Chambéry. Patricia dit qu'on parle généralement assez peu des sports paralympiques en dehors des Jeux, en l'occurrence. Selon vous, Nélia, qu'est-ce qu'il faudrait faire et quelles solutions vous proposeriez-vous pour améliorer cela? Alors, en effet, c'est vrai qu'on parle assez peu des sports paralympiques et même du kayak en général, hein, paralympique ou pas paralympique, parce que ce sont des petits sports qui n'apportent pas beaucoup d'argent. Donc, pour moi, déjà, il faudrait commencer par faire de la sensibilisation auprès de tout le monde, de la société. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on inscrit un enfant à un sport, en général, ça va être le judo, ça va être le foot, mais pas trop pour faire du kayak. Donc voilà, c'est commencer par sensibiliser les jeunes aux sports qui sont plus méconnus. Et ensuite, les médias, voilà, faut pas qu'ils diffusent ces sports uniquement lors des Jeux paralympiques, mais aussi hors Jeux paralympiques. On a des championnats du monde tous les ans, on a des championnats d'Europe. Et donc, c'est vrai que diffuser une course ou des finales sur des chaînes, je pense que voilà, c'est pas inaccessible. Et en plus, ça peut en intéresser certains. Donc, pas que du kayak, mais forcément n'importe quel sport paralympique. Et donc, ouais, je pense qu'il faut commencer par sensibiliser ouais, les petits et les médias. Nélia, du coup, tu as vu que pendant la campagne qu'il y a eu un réel engouement, on a pu récolter 3 500 euros en à peine 48 heures. Donc, en soi, les gens sont prêts à suivre, à financer des athlètes handisport. Mais est-ce que le problème, du coup, ne serait pas un manque de visibilité? Et aujourd'hui, par quels médias on peut suivre, par exemple, des compétitions d'handisport à la télé ou sur Internet. Alors aujourd'hui, pour suivre des compétitions d'e-sport, déjà, il faut être déjà sensibilisé. Parce que moi, si j'ai envie de suivre une compétition de kayak, il faut que je sache sur quel lien YouTube il faut cliquer, sur quelle page Facebook il faut aller. Et donc, en fait, les compétitions, elles concernent déjà elles touchent les personnes qui sont déjà concernées et pas tellement le grand public. Donc, enfin, pour moi, il faudrait ouvrir justement ces possibilités-là et qu'on parle pas juste de la finale des championnats d'Europe sur la page Canoë Europe. Donc oui, pour moi, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui ont une grande importance dans la communication parce que tout passe par les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les athlètes ont une page Instagram, ont une page Facebook. Et maintenant, voilà, j'arrive même à voir des courses sur Facebook. J'arrive à voir des extraits de compétition sur Instagram parce que c'est de l'instantané. Aujourd'hui, on est dans la consommation rapide. On n'a pas envie de se poser pendant 1 heure et regarder une course. On a envie dans les transports, tac, on regarde un extrait de telle finale du ski alpin, de telle finale du surf, du championnat du monde de surf. Et donc, voilà, pour moi, c'est de l'instantané. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les vidéos de sport qui marchent bien, c'est les vidéos très, très dynamiques, assez courtes, où les gens n'ont pas besoin de réfléchir, de comprendre. C'est quelque chose d'assez instinctif finalement. En parlant des réseaux sociaux, on a pu voir l'impact des réseaux sociaux avec la cagnotte, du coup, qui, comme l'a dit Djibril, qui a pris très vite grâce à la diffusion sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu t'attendais à récolter autant d'argent et à avoir autant de soutien des personnes? Alors non du tout, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça aille si vite. Alors justement, je pensais que ça allait encore mieux marcher sur Instagram et un peu moins sur Facebook. Et en fait, c'était le contraire. C'est vrai qu'Instagram, c'est une population qui est plus jeune. Donc mes followers, ils ont entre 15 et 25 ans. Et du coup, forcément, ils peuvent pas mettre 50 euros dans une cagnotte parce que voilà, on est étudiant ou adolescent. Et sur Facebook, c'était une population qui est déjà un peu plus mature. C'est des adultes qui ont, pareil, entre 25 et 60 ans, et qui, pour le coup, sont peut-être plus touchés
par la cause et qui peuvent, eux, mettre la main à la pâte. Et en plus, c'est vrai que dans un projet comme celui-ci, quand on invite une personne à participer au projet, il se sent acteur finalement de la performance. Et je pense que c'est aussi une fierté pour la personne de contribuer à la cagnotte. Et pour moi, forcément, c'est un apport non négligeable parce que je suis super contente de voir qu'il y ait autant de mobilisation, même de personnes que j'avais perdu de vue depuis des années, des anciens professeurs à moi du collège, de l'école primaire. Et voilà, et puis en plus pour ces personnes qui parlent de mon sport à leur entourage. Et aujourd'hui, j'ai déjà rencontré des personnes dans les transports qui me reconnaissaient grâce à des petites actions comme ça, et ça me fait super plaisir. Donc pas pour moi uniquement, mais aussi pour mon sport, parce que je suis passionnée de kayak et j'ai envie de partager ma passion et j'ai envie que des gens se mettent au kayak parce que c'est génial, quoi. C'est super ce que tu dis, Nélia. Du coup, moi, j'aurais bien aimé aussi savoir, dans le futur, si on peut parler un petit peu de ton avenir. Donc là, on l'a déjà évoqué un petit peu concernant notamment les études que tu es en train de faire et ta future carrière professionnelle, on va dire, peut-être à côté du sport. Parler des Jeux de Paris, c'est la prochaine grosse échéance. C'est à la maison en plus, puisque tu viens d'Île-de-France. Donc, ça va être un moment très, très fort, sûrement un des plus marquants de ta carrière. Comment tu les abordes? Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui à peu près 2-3 ans de ces Jeux? Alors aujourd'hui, j'arrive à être encore assez détachée parce que c'est dans 3 ans, donc j'ai le temps de me préparer. Et je les aborde forcément aussi avec beaucoup de hâte parce que c'était mon objectif principal, c'était Paris. Et en plus, là, je suis en train d'ouvrir un petit peu mon horizon d'entraînement, en train de réfléchir à comment m'entraîner différemment que ce que je fais là. Et donc notamment rajouter encore plus de course à pied parce que j'en faisais mais très très peu, avec une lame spécifique pour la course à pied, donc je les aborde avec énormément de hâte et en plus avec une nouvelle perspective de réflexion aussi, parce que forcément quand on fait un entraînement sur une année, sur des années, c'est toute une réflexion sur comment on va le faire, comment on va l'aborder, comment on va le mettre en place, et donc c'est une réflexion qui commence dès aujourd'hui. Et donc, dans l'idée, il y aura une préparation un petit peu différente de, par exemple, de ces premiers jeux ou des autres compétitions, ou est-ce que tu vas quand même essayer de, on va dire, d'y aller un petit peu comme d'habitude, de pas trop te mettre la pression aussi, parce que ça peut être aussi entre guillemets, un peu plus compliqué d'être à la maison. Tu sais qu'il y aura sûrement ta famille, tes amis, etc. Donc, Ouais, alors je peux pas partir comme j'ai fait sur la saison précédente en me disant je fais la même préparation, parce que là c'est sûr que je ferai pas de podium. Donc il faut vraiment toujours se remettre en question, faire des recherches sur ce qui se fait maintenant, sur les entraînements, ce qui se fait pas, ce qui se fait plus, ce qui me convient le mieux aussi. Il y a peut-être des choses qui conviennent à certains athlètes qui ne me conviendront pas à moi. Donc voilà, l'entraînement c'est de la recherche constante, c'est pas que du physique, c'est aussi de l'intellectuel, parce que il faut réfléchir à comment optimiser son temps pour être le plus performant possible et le plus rapidement possible, sans se cramer forcément le jour de la course. Hein. Faut que c'est une courbe en fait, et le but c'est d'arriver au top niveau au bon moment, et pas descendre trop tôt ou pas être au top de sa forme 3 mois après la course. Donc voilà, c'est toutes ces pistes sur lesquelles je vais travailler jusqu'à 2024. Et après, la pression, forcément, elle sera là. Je pense que voilà, c'est inévitable. Mais je vais travailler dessus, je vais me préparer. J'espère que ça ira, quoi. Je vais réussir à la gérer. J'ai réussi à la gérer à Tokyo. Ça devrait aller à Paris. Tu auras aussi l'expérience d'avoir déjà fait tes premiers jeux. Donc, tu seras un petit peu plus en confiance. Ouais. Est-ce que justement tu vas te fixer des objectifs très précis, comme par exemple une petite médaille d'or, si vraiment tu dois te fixer tes objectifs les plus hauts? Alors l'objectif le plus haut ce serait la médaille d'or, mais avant ça je veux déjà changer ma façon de m'entraîner pour progresser encore plus, parce que forcément là va falloir grappiller les secondes qui me manquent pour aller chercher l'anglaise. Après les objectifs, c'est dans un coin de la tête, mais il y a les objectifs, c'est pas juste un objectif de place, mais aussi un objectif de réalisation. Je vais relayer une question
Alors, je vois que Djibril fait l'excellent community manager, mais ça ne me surprend pas. Une question de Morgane, qui est une étudiante également de la promo de nos trois animateurs. Bonsoir Nélia. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur la diffusion de votre sport, avez-vous déjà pensé à des actions pour participer au développement de vos sports ou même à la connaissance du handicap, par exemple, aller dans des lycées, des collèges, des écoles, des associations pour parler de votre handicap et du sport paralympique en général? Alors ça, c'est des choses que je fais déjà un petit peu. Donc je suis déjà allée dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles primaires. Après, voilà, je fais toujours attention aussi à garder un équilibre sur mes objectifs. Là, mes objectifs, c'est vraiment de performer. Et faut que je fasse attention, voilà, à cet équilibre. Est-ce que je ne suis pas une influenceuse, donc je ne peux pas non plus mettre tout mon temps dans ces choses-là. Et c'est des choses, je pense, que je remettrai en priorité après ma carrière sportive. Mais voilà, maintenant que je suis loin des échéances, j'essaie d'aller un petit peu dans les écoles, dans les lycées, pour parler de mon parcours, de mon handicap, du sport, pour sensibiliser aussi les jeunes, c'est important. Mais voilà, j'essaie de mettre un équilibre à tout ça quand même. Alors, est-ce que vous avez encore peut-être des questions, Djibril, Lucie et Loane, ou des choses particulières que vous aimeriez dire? Alors moi, on avait noté une dernière question, c'était pareil, est-ce que tu aurais par exemple d'autres projets en dehors du sport? Parce que voilà, on sait que tu fais du dessin, est-ce que tu as d'autres projets ou l'envie par la suite peut-être, des idées déjà? Oui, alors là, les projets que j'ai actuellement, c'est... donc je fais des affiches de décoration que j'imprime, que je vois un petit peu autour de moi. Donc ça, c'est un petit projet, mais voilà, c'est déjà ça. Et pareil, j'avais fait un petit logo aussi à un moment donné que je dessinais partout, donc je l'ai déposé. Et ça, voilà, j'aimerais faire une petite gamme de vêtements de ce petit logo que j'ai. Et d'ailleurs, Djibril vous permet de remporter. Votre micro est coupé. Je disais, et Djibril vous propose même de gagner des goodies, donc c'est une soirée de fête, en l'occurrence, en plus de l'accueil de Nélia. Est-ce que vous avez d'autres questions, nos animateurs? Il me semble qu'on a fait le tour peut-être, ouais. Je ne sais pas si vous en avez encore, Djibril ou Lucie, ou des questions qui vous viennent. Ah, de mon côté, j'en profite parce que j'avais posé cette question à Nélia, mais est-ce que tu as eu de l'appréhension en laissant cette campagne de crowdfunding auprès des mains d'étudiants? Non, du tout. Non, non. Très bien. Je vous ai confiance. Je savais que vous saviez ce que vous faisiez, que vous étiez bien entouré. Donc, non, j'ai eu totale confiance. Et puis, moi, je n'avais pas confiance en moi pour faire ça, donc je vous ai laissé faire. Et les étudiants, qu'est-ce que vous en avez pensé alors au-delà d'accompagner Nélia dans la réussite de son projet, le financement? Et puis Nélia disait, sans cette campagne, j'aurais peut-être pas pu continuer ma progression. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Lucie, Djibril et Loane? Lucie, vas-y. Pour nous, c'était une grande fierté de l'aider, surtout que du coup, Nélia, c'était une amie d'enfance, donc je la connaissais depuis longtemps. Je savais les problèmes qu'elle rencontrait dans ce sport, surtout que c'est un sport très peu médiatisé en général. Donc, en plus, dans le handisport, c'était très compliqué pour elle. Donc, ça me tenait vraiment à cœur. Je savais que Djibril et Loane voulaient aussi s'impliquer dans le handisport. Donc, vraiment, c'était le projet parfait et qui a marché super bien. Donc, vraiment super contente. Et encore plus que ça l'ait aidé à décrocher une médaille au jeu. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a vraiment mené de A à Z la campagne. Voilà, la fin, c'était à Tokyo, ça s'est très très bien terminé. Donc encore, du coup, aussi merci à Nélia de nous avoir, nous avoir fait honneur à Tokyo, et à toutes les personnes aussi qui ont contribué. C'est aussi vraiment l'état d'esprit qu'on voulait donner avec cette campagne. C'était tout simplement, en fait, même si vous donnez 2 euros, vous allez participer en quelque sorte à aider Nélia à ramener cette médaille, donc aider notre jeune athlète française. Voilà, on en retient une grande fierté, et c'était un,
un très bon projet. On a traité plein d'aspects différents. C'était très enrichissant et professionnalisant aussi. Oui, effectivement, c'était comme j'ai dit au début, on avait à cœur de faire un projet qui a du sens. Et Nelia, voilà, a été top du début à la fin, toujours disponible parce qu'on l'a énormément sollicité pour les vidéos, pour les tournages, pour les publications sur les réseaux. Et elle a toujours répondu à l'appel. Et du coup, oui, on ne s'attendait vraiment pas à ce que, à la base, à ce que ce projet prenne autant d'ampleur et voilà, nous fasse travailler dessus le week-end et autres. Et au final, ça a porté ses fruits, donc on est super contents. Ok, Nelia, peut-être que vous avez un mot que vous aimeriez peut-être transmettre à nos étudiants, personnes connectées, pour peut-être conclure cette conférence. Pensez à remplir le quiz que nous ont proposé Djibril, Lucie et Loane, ce qui me laisse à dire que eh bien, je pense que je peux être à la retraite puisque nos trois étudiants peuvent totalement prendre ma place tant dans l'animation que dans la relance, que dans les activités pédagogiques, etc. Donc cela fait très plaisir, même si j'ai encore un peu d'années à travailler. Alors Nelia, est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin? Oui, bah déjà remercier les trois étudiants, donc Djibril, Loane et Lucie, bah pour leur qui ont mis le pied à l'étrier et qui ont contribué à l'acquisition de cette prothèse parce que bah, ils ont fait un excellent travail, très professionnel. Bah, moi, j'ai rien eu à faire, hein, juste voilà, je faisais ce qu'ils me disaient. Et puis, bah, bien sûr, remercier les étudiants qui m'ont écouté ce soir parce que voilà, pour moi, ça me tient à cœur de parler de mon sport, de parler de ma situation, de mon parcours. Et puis voilà, si ça peut en inspirer certains, et puis. Voilà, on a tous dans notre entourage peut-être une personne en situation de handicap. Si ça peut, voilà, n'hésitez pas à parler de, voilà, de sport, de handisport, de jeux paralympiques, même sans vouloir performer, mais voilà, des personnes en situation de handicap, parce que voilà, c'est accessible. On trouve toujours une solution pour adapter les sports donc, pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, il n'y a pas de problème, que des solutions, comme on dit. Eh bien, merci beaucoup, Nelia, de votre présence ce soir avec nous. Merci à Lucie, merci à Djibril, merci à Loane, merci aussi à Alexandre Ollet de I Believe in You qui nous permet de réaliser ce projet depuis quelques années maintenant et qui est relancé encore une nouvelle fois cette année. On est en plein dedans d'ailleurs avec nos étudiants de Master 1 sur le projet, le projet tutoré. Et puis Nelia, on va suivre vos aventures en l'occurrence. On va évidemment être très très attentif à ce que vous faites. Et puis c'est la preuve aussi à travers votre réussite que nous, l'objectif, la faveur de ces projets qu'on met en place, ben, c'est de permettre à. Alors j'aime plus les appeler les étudiants parce que Lucie, Djibril et Loane sont maintenant des adultes en fin de cursus, très clairement, donc qui vont dans. Quelques mois maintenant, et eh bien plus revenir jamais sur les bancs de l'école, à moins qu'ils fassent un doctorat. Bon courage à eux. Et bien, en l'occurrence, vous nous permettez, Nélia, de donner cette opportunité à nos jeunes professionnels, et eh bien de réussir à appliquer ce qu'ils voient modestement en cours. Et force est de constater, eh bien, que ça a été une vraie réussite, puisque ça a été le projet qui a dans la flopée de projets qu'on a eu qui sort du lot parce que l'histoire est extrêmement belle. Il y a une victoire, enfin une deuxième place aux Jeux paralympiques. Donc automatiquement, eh bien ça nous a ravis. Merci, merci. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée pour celles et ceux qui nous auront écoutés. Et encore un grand bravo à Nélia et à nos trois étudiants animateurs qui peuvent donc se lancer désormais dans l'animation de conférences. Merci, Merci monsieur. beaucoup. Merci. Bonne soirée à Merci, toutes et à monsieur. tous. Bonne soirée à tous. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.